moment y'a de la peur si tu s'écartes, mais vite gros ça part à la seconde. Même si je rappe pas l'histoire, je pas la cigale, la fourmi, je lui volerai son tue à la salope. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis samedi. À l'équipe, dans cette vidéo, je te groupe ce qui se passe entre Airsoft aujourd'hui. Et là, il y a encore du clash entre Sadek et Booba. Il y a Sadek qui l'a encore une fois clashé en vidéo et il a clashé Julien Tanti, etc. etc. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et on commence à tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu dis samedi, il y a Sadek qui a envoyé deux messages vocaux à Booba avant que Booba le bloque sur Instagram. Bref, on voit ça juste après. Écoutez les messages vocaux. Bro, tu es la musclée, la tatouée, la genounée. Ah, je comprends pas bro, c'est toi qui as proposé. Moi j'acceptais. Et je vais même organiser et montrer des sommes colossales que tu pourras pas dire non. Parce que tu aimes trop l'argent et la dounia. Tu aimes l'argent et la dounia. Argent, dounia, argent, dounia. Et lécher des trans dans le cul. Et je sais où ils habitent, ces transsexuels que t'héberges. Comme d'habitude, tu es le fatigué. C'est pour ça que tu as la sécurité. Tu es le gros fatigué. Je vais pas lâcher toi. Je vais jamais lâcher toi. Je suis dépressif et cocaïnomane. Tu es trop fort, le bagarre. Avec le vrai muscle, tu es trop fort. Désolé. La dépression, elle est en train de m'emporter. Il fallait me laisser tranquille. Rala, bah tu vois, en fait, il a repris le message vocaux, il l'a remis en story et il a écrit. J'ai vu que lui insulter sa mère ne marchait pas. J'essaye d'autre chose. Sacré vieux sorcier de Miami. Donc voilà, et c'est le message qu'il a mis en story. Ensuite, l'équipe, après avoir laissé des messages vocaux à Booba, il a laissé des messages vidéo en parlant de l'octogone. Bref, regardez. Putain, qui fait du cardio là, le gardio de ses morts là. Moi, même moi, j'y croyais un petit peu. Je me suis dit, non, s'il est méchant comme ça avec les autres chanteuses là, c'est qu'il doit pam. Un jour, il sait pas se battre en plus, hein, regarde. Y'a rien à craindre. Oh, la dépression reprend le dessus. Tu ne trompes personne, Jean-Jean. La dépression reprend le dessus. La cocaïne aussi reprend le dessus. N'oublie pas, hein, Mia Jasmine, sa grosse pute de mort qui m'a parlé de moi en premier. Là. Bon, moi, j'avais jamais cité son nom, là, mais quand j'ai parlé du caca et quand j'ai parlé des trucs, là, directement, bah, elle m'a pas bloqué, la Gadji. Maman, Eli de Miami, là, grosse tapette de tes morts que t'es. Hein? C'est toi qui as proposé la bagarre. Oula! La bagarre! Attends, juste deux secondes. Wouh! Maintenant j'ai envie de te tuer! Hein? Et après, quand tu vois que le Jojo il est vraiment chaud, bah bloqué! Ne me faites pas passer pour un fou, tout le monde sait que c'est vous les merdes. Vous êtes des merdes. C'est pour ça faut pas complexer. Surtout devant des grosses merdes comme ça. Ils vont brûler! Puis ensuite, l'équipe, après avoir attaqué Booba, il a laissé un nouveau message à Maïva Guénam. Et juste après, il s'en est pris à Magali Berda. Bref, écoutez bien parce qu'il s'en est pas pris de main morte. Écoutez. Qu'est-ce que ça va lui faire de lui cracher dans la tête du crachat salive? Elle mange le caca, elle branle le chameau. Vous captez rien en vrai. Désolé, c'est encore la cocaïne qui reprend le dessus. Ça farde. Non, je suis un ouf, moi. La dépression. Oh, la dépression. Plus la cocaïne. Vous voyez, je pense que ça se voit quand même, hein, que je mène une vie plutôt cool. Mais non, dès que ça va pas dans leur sens, qu'on essaye de dire la vérité. Je vais vous dire un truc tout simple. Si jamais je prenais de la cocaïne, ou même si je fumais, ces gens qui souhaitent me mettre une balle dans la tête, fumer ma mère, tuer ma femme et mon bébé, pour pouvoir continuer leur business, parce qu'on parle quand même d'un business, hein, à plus de 7 millions d'euros. Par mois pour Magali Berda, on parle pas de l'autre trou du cul de Wesley, hein, qui lui a déjà été épinglé de sionisme, et que ça vous empêche pas de CU, c'est même pas de sionisme, hein, c'est de racisme pur. Dubaï, c'est très simple, chaque personne dans la présomption qui se drogue, qui possède de la drogue, alors là faut vraiment être suicidaire plus, en vendre, on lui envoie la police, il l'emmène, ils font faire le blue test. Le blue test, qu'est-ce que c'est? On vérifie que vous avez de la drogue dans le sang. Jojo, il rigole beaucoup, mais il fait des échecs et maths sur échecs et maths sur échecs et maths. Vos menaces de mort, parce que quand ça pique le cœur, vous arrivez pas à vous retenir, c'est ça, c'est le shitan qui sort comme ça. Hein? Le chétan ou peut-être la cocaïne, peut-être que vous prenez de la cocaïne. Et c'est pour ça que vous voulez pas jouer au jeu du blue test. Cette équipe, il y a deux jours, Booba il avait publié cette vidéo en réponse à Sadek. Suivez bien pour comprendre, écoutez. Chédoc, j'en ai marre de voir ta gueule, Chédoc. Et en même temps, c'est pas de la pitié que j'ai, c'est frérot. T'as un enfant, tu fais du rêve. Je t'ai juste dit, t'es devant des matelas, tu veux faire des octogones. Frérot, là,
reste là, ton état, ça s'appelle une dépression. T'es en crise, t'es en chute, frérot, tu vas pas bien, fais-toi soigner. Personne va te sucer à ton enterrement, on suce pas les morts. T'as une famille, ressaisis-toi. Octogone, frérot, soigne-toi. Va en HP, prends des machins là, camisole chimique. Et quand t'es prêt, à la rigueur, tu t'entraînes. Et quand t'as le six-pack, frérot, on discute. On fait des paris sportifs, on fait de l'oseille, mais frérot, aïe aïe aïe, ressaisis-toi frérot. Ah là là, bah suite à ça, Sadek il l'a imité en refaisant exactement le même délire en vidéo, regardez. Bah frérot, t'as des enfants, une famille, enfin pas une famille, t'as que les enfants quoi. Faut s'attaquer à Jojo, j'ai un enfant magnifique, une femme géniale, et ils aimeraient bien voir leur papa éclater cette méchante petite métisse. Tu vas pas bien toi non plus. Tu n'as plus d'amis, plus de repères. Tu traînes avec les artistes que tu signes. Et ils te détestent. Et tu les détestes aussi dès qu'ils te dépassent. Moi, je n'ai pas proposé d'octogone. Je t'ai remis en place car tu as essayé de m'humilier à travers les placements de produits que je fais pour me mettre à la même hauteur que ces gens-là. Tu es payé pour ça. Maintenant, tu as proposé. Tu vas te battre. Tu es trop fort en plus en bagarre. Cette équipe, on en vient au vif du sujet. En gros, il y a Booba qui vient de bloquer Sadek sur tous ses réseaux. Et il a écrit, c'est marrant 5 minutes. Et comme tu peux le voir, juste après, il l'a bloqué et il a écrit, mais pas 6 minutes. Tout simplement. Et il l'a bloqué sur Twitter. Et aussi sur Instagram, excusez-moi. Cette équipe, pour clôturer du côté de Sadek, il a publié un screen de la story de Booba. Et comme tu peux le voir, Booba, il met vraiment beaucoup de stories. Bref, et en gros, il a écrit, guette la longueur des stories, Zebby. Je crois que lui aussi, il veut devenir influenceuse comme Jojo. Depuis qu'il a plus d'Amso et Shai, ça rentre plus. Avec un smiley glace. Quoi. Et le smiley glacé en fait c'est en référence à son pote Malky. Cette équipe, pour clôturer cette vidéo actu avant d'en faire une nouvelle, parce qu'il y a une nouvelle vidéo actu qui arrive dans la journée, parce qu'il y a vraiment trop de choses, c'est un truc de ouf. En gros, il y a Sadek qui a justement laissé un message à Julien Tanti. Il lui a dit, Julien Tanti, tu veux pas jouer au problème avec Jojo? Avec point d'interrogation. Et en gros, il envoie justement un message à Julien Tanti des Marseillais, t'as capté. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche, l'équipe. Si toi t'as 99 fils, j'en ai 1000. Hey, et donc vas-y, retourne vite dans ta fosse. Faut qu'on chaîne les murs ou ça s'écroule, ça veut t'écraser si tu t'écartes. Et là tu demandes déjà c'est qui, juste quelques mesures et je les étouffe. Je suis au top, j'ai mon calumet. Je donne un coup de briquet et je le rallume fort. Que de la frappe, c'est de la qualité. Avec ou sans, si t'inquiète pas, je vais le faire. Du truc. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est passé entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les références. Dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, ça prend une métal en commentaire, tu mets un 2 à 3 pure là, c'est juste pour référencement. Et franchement, en ce moment, c'est vraiment croustillant. Donc je vous invite à activer la petite cloche si jamais c'est pas fait. Parce qu'il y a des trucs qui vont arriver, c'est un truc de ouf. Enfin bref, je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais, j'avais plus d'air. C'est la première fois. Ah, je suis un mytho. Juste le game.